Coucou, vous qui passez par là, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel simple et rapide qui vous permettra d'allumer votre télévision vocalement grâce à votre Chromecast. Démonstration. Ok Google, allume la TV principale. Ok Google, éteins la TV principale. Deuxième test, cette fois-ci avec le Google Mini. Ok Google, allume la TV principale. Ok Google, éteins la TV principale. On peut faire aussi autrement en disant directement ce que l'on souhaite regarder sur l'appareil. Donc je vais lui dire, Ok Google, mets The Last Kingdom sur la TV principale. Bien sûr, je mets The Last Kingdom depuis Netflix sur ta télé principale. Ok Google, arrête. Ok Google. Stop. Pour élaborer ce projet, on aura besoin uniquement du Chromecast et d'une télé compatible HDMI-CEC. Donc HDMI-CEC, c'est un protocole qui permet le contrôle d'un périphérique à l'aide de la télécommande d'un autre. Donc selon les marques, ce protocole s'appelle différemment. Exemple, pour Samsung, il me semble que c'est AnyNet Plus ou Eninet, tout court. Donc là, je vous mets une liste des différentes appellations qu'on peut trouver. Donc, référez-vous à cette liste pour trouver le nom de votre protocole. Donc, comme je l'ai dit ou pas, il y a deux conditions pour que cela fonctionne. La première, c'est d'avoir une télé compatible HDMI-CEC. Et la seconde, c'est d'avoir une Chromecast branchée sur une prise impérativement. Donc, dans un premier temps, on va brancher le Chromecast sur la télé en branchant le câble HDMI sur le port HDMI de notre télé et brancher le câble d'alimentation sur une prise. Ensuite, on va allumer notre télé et ouvrir le menu afin d'activer l'option HDMI-CEC. Réglages. Système. Paramètres avancés. Et en ce qui concerne ma télé, le protocole ici s'appelle T-Link. Donc je vais le mettre sur marche. Et voilà. Donc là, je vais vous montrer un test lorsque le protocole est éteint. Donc je vais le mettre sur arrêt et vous faire le test. Normalement, ça ne doit pas fonctionner. Donc je vais lui dire, OK Google, éteins la TV principale. Il n'a rien fait car en effet le CEC est désactivé. Donc là, on va le réactiver et refaire le test. OK Google,
Éteins la TV principale. Ça fonctionne. Si vous avez une seule Chromecast, vous pouvez dire OK Google, allume ou éteins la télé directement. Par contre, si comme moi vous avez plusieurs Chromecast, vous devez définir le nom de la Chromecast en disant OK Google, allume ou éteins, ensuite le nom de la Chromecast en question. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!